Bon ok, j'ai un peu menti, ça sera peut-être pas le meilleur animé de l'année, mais je sais qu'il va bientôt se retrouver parmi les meilleurs. Spy X Family. Cette œuvre fait énormément parler d'elle en ce moment, puisque son adaptation animée est sortie il y a pas très longtemps. C'est vraiment un truc de fou, Spy Family est déjà dans le top 5 des animés les mieux notés sur MyAnimeList, et même Twitter explose littéralement à chaque sortie d'épisode, que ce soit en bien ou en mal. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Bref, c'est vraiment un truc de fou, on voit du Spy X Family partout, tout le monde en parle, même les ventes du manga ont explosé, et honnêtement, ça se comprend totalement, parce que c'est une dinguerie. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi ça a autant marché et pourquoi vous devez regarder ou lire Spy X Family. À première vue, ça a l'air d'être un animé d'espionnage, tout ce qu'il y a de plus banal, et je peux comprendre que ça en intéresse pas beaucoup. Moi-même, j'en avais absolument rien à foutre de ce manga à la base, et je comptais pas du tout le commencer. Mais heureusement que grâce à des potes un peu forceurs et très insistants, j'ai regardé l'épisode 1 quand il est sorti, et ce fut le coup de foudre total. J'ai adoré ce premier épisode, l'ambiance, les personnages, l'opening, les OST, tout m'a fait kiffer de A à Z, et c'est même devenu l'un de mes coups de cœur 2022 en très peu de temps. Et j'ai même commencé le manga, comme vous le savez si vous avez vu cette vidéo, et si c'est pas le cas, allez la voir. Pour faire un pitch très rapide à ceux qui connaissent pas, on suit l'histoire de Twilight, un espion de Westalis qui va se rendre à Ostania et qui va devoir fonder une fausse famille afin de mener à bien une opération très importante pour pouvoir préserver la paix dans le monde. Il va se faire une fausse identité et c'est sous le nom de Lloyd Forger qu'il va adopter la petite Anya, qui est en fait une télépathe. Il lui faut aussi une épouse pour compléter sa fausse famille et c'est comme ça qu'il va rencontrer Yor, qui paraît assez réservée et timide au premier abord, mais qui est en fait une tueuse professionnelle. Mais ça, Lloyd l'ignore aussi. En gros, la seule personne au courant des véritables identités de ces deux-là, c'est Anya, grâce à ses pouvoirs de télépathe. Et c'est ce détail qui va créer plein de situations totalement inattendu. C'est toutes ces petites situations hors du commun qui m'ont fait kiffer cet animé. Les particularités des persos couplées à leur personnalité et leur vie déjà assez spéciale les rend totalement attachants, et ce dès les premiers épisodes. Lloyd, qui est à la base un espion et qui met tout ce qui est sentiment et vie de famille de côté, va apprendre à élever son enfant et à vivre avec, ce qui va créer plein de moments touchants entre lui et Anya, qui n'est pourtant que sa fille adoptive. Et même s'il l'a adoptée pour une mission, on va voir une vraie relation père-fille qui va s'installer entre eux. Et c'est pareil pour Yor, qui n'a jamais eu de copain ni d'enfant et qui va soudainement se retrouver à être mère et épouse et qui va également tisser des liens petit à petit avec Lloyd et Anya. Et c'est touchant, dans tout cet aspect humour et absurde, plein de sujets sérieux sont abordés de manière très subtile, comme l'adoption ou la peur de l'abandon, qui sont des sujets assez matures et compliqués à aborder. Tatsuya Endo, l'auteur de Spy X Family, a d'ailleurs déjà travaillé sur des mangas destinés à une audience plus mature avant de se lancer sur celui-là, comme par exemple Tista ou Rengoku no Ash. D'ailleurs, cette deuxième œuvre a pas mal retenu mon attention, puisque Ash, le personnage principal de cette œuvre, ressemble vraiment beaucoup à Anya au niveau du design. Je pense d'ailleurs qu'il a repris quelques éléments de ce perso quand il a créé Anya. Tout ça pour dire que même dans une œuvre destinée au grand public, il sait maîtriser des sujets compliqués et les adapter en fonction de l'histoire qu'il raconte. En même temps, c'était l'assistant du god Fujimoto en personne, donc on peut dire qu'il a appris des meilleurs. L'histoire de Spy Family peut paraître plutôt simple au premier abord, mais qu'est-ce qu'elle est bien pensée? Déjà, le fait que chacun ignore la véritable identité de l'autre, à l'exception d'Anya, nous plonge encore plus dans l'intrigue, car on se demande tout simplement quand est-ce que Lloyd va apprendre que Yor est une tueuse professionnelle? Quand est-ce que Yor va apprendre que Lloyd est un espion envoyé dans notre pays et qu'Anya est en fait une enfant télépathe? Ça doit être bizarre à apprendre, ça. L'envie d'en découvrir à chaque fois plus sur cette famille nous captive et fait qu'on en veut toujours plus. Lloyd a un plan qu'il doit mener à bien, mais il va voir tout plein d'imprévus à chaque fois. Et malheureusement pour Lloyd, il faut admettre qu'Anya n'est pas la petite la plus intelligente au monde. Loin de là. Mais malheureusement, c'est sur elle que repose la réussite du plan. Il faut aussi parler de l'ambiance qui est excellente, que ce soit par rapport au design des architectures et le feeling qu'elles apportent, ou les OST qui jouent un rôle très important dans l'ambiance générale. Tout est réussi, c'est mignon, c'est apaisant, même l'opening et l'ending sont des bangers. Et d'ailleurs, c'est sûrement ce que vous entendez en musique de fond actuellement. Bref, vous l'avez compris, Spy Family, c'est que des good vibes. J'adore l'esthétique de cette œuvre. Les bâtiments avec une architecture ancienne rappelant Berlin des années 60 donnent un côté nostalgique à l'œuvre. Et ces OST qui rappellent les vieux films d'espions de l'époque collent parfaitement à l'univers. Le tout géré par Cloverworks et Wit Studio qui ont un très beau palmarès en termes d'animation. Tout est cool, l'animé n'a aucun défaut, c'est mignon, c'est drôle et ça convient à tout le monde. Et c'est l'une des raisons principales pour laquelle cet animé marche aussi bien et met tout le monde d'accord. À l'exception de certaines personnes. Par exemple, sur Twitter, ça a été la guerre. Il y a d'abord les gens qui trouvent que Anya est sexualisée dans l'animé, notamment à cause de cette scène. Faut arrêter de voir le mal partout, on y voit juste une fille qui joue avec son père, et si certains y voient autre chose, bah je sais pas quel genre d'enfance vous avez eu, mais force à vous. Il y a aussi certaines personnes peu respectables qui disent des trucs absolument dégueulasses, et que je vais juste me contenter de censurer, et même la communauté de l'anime elle-même devient de plus en plus toxique. Bref, un anime qui attire autant d'attention ramène forcément son lot de négativité, mais il faut savoir dissocier les deux. Spy X Family reste un gros banger. Salut, c'est Zizou. Masterclass. Et c'est malheureux que l'anime attire des gens aussi cons, mais ça n'enlève aucune qualité à l'œuvre en question. Je pense que c'était un point important à préciser. Je pense que Spy Family est une œuvre universelle. L'histoire peut parler à tout le monde, petit comme grand. D'où le fait que la fanbase soit devenue aussi énorme en l'espace d'à peine quelques semaines. Et c'est très bien exécuté, le verdict est unanime. On voit que tout le monde adore cet animé. Tout comme moi, au cas où vous l'avez toujours pas compris. Et son succès est mérité, il y a 8 épisodes de sortie au moment où j'enregistre cette vidéo. Et pour le moment, c'est un sans faute. Je ne peux qu'espérer que l'animé continue dans cette direction. Wit Studio, Cloverworks,
merci pour les travaux. Et surtout, merci à Tatsuya Endo, parce que sans son manga, bah y aurait pas eu d'anime. Je pense que je peux conclure en affirmant que cet anime met tout le monde d'accord, parce que c'est rafraîchissant, c'est nouveau, et je pense qu'avec toute la merde qu'il y a eu depuis le Covid, les gens avaient besoin de quelque chose qui leur remontrait le moral. Et Spy Family est arrivé au bon moment, et je le répète, mais c'est un énorme banger. Masterclass. L'anime, tout comme le manga, les deux sont vraiment très très bons. Personnellement, j'ai découvert l'œuvre avec l'anime, donc je vous conseille d'aller le voir. Mais au final, ça dépendra de vos préférences. Je suis sûr que ça deviendra un classique d'ici quelques temps. On est qu'au début de la hype, et je pense que c'est loin d'être fini pour le moment. Cette œuvre va encore faire parler d'elle en 2022. Je pense que j'ai tout dit. Je sais que la vidéo est un peu courte, mais j'ai dû mettre de côté pas mal de sujets histoire de spoiler le moins possible pour ceux qui n'ont pas encore regardé l'anime. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos. Il y a du très très lourd qui arrive. Sur ce, c'était Prog, n'oubliez jamais de kiffer, et à bientôt!